Là, y a le nouveau Hitman qui va sortir. Bah, il y a Street 5, bah, je jouerai Hitman plus tard. Hein. C'est pas grave. Alors, même s'il y a la bêta, le truc, tout ça, c'est juste que je me dis, si je me mets, si je me mets à 50% sur chaque jeu, bah, je vais pas prendre du plaisir sur aucun des jeux. En même temps, c'est un peu de leur faute, Hitman. Hein. Ils auraient pu le sortir bien avant. Ils ont fait n'importe quoi. Puis en plus, ils ont fait de la merde, là, l'épisode. Ah ouais? Ouais, bah, en gros, un épisode par mois. Ah ouais? Un environnement. Quoi? Ouais. Et attention, là c'est la baise infinie. Pour toi, je pense que là t'insultes Square Enix. Ils ont fait un truc, c'est le anti-matérialiste. Quoi? La collector du jeu. Ouais. La collector du jeu, t'as pas la boîte du jeu. Hein? Ouais. Comment donc ça? T'as une. Bah, comme en fait le jeu est pas sorti et va pas sortir en version complète parce que c'est des épisodes. Tu devras attendre un an, ouais. Ou moins d'un an, ça se trouve 8 mois, ouais. Pour avoir tous les environnements du jeu, techniquement toutes les missions, et avoir un jeu complet. Okay. Et en fait, Square Enix, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils te proposent le premier épisode, donc le premier environnement, donc tu démarres à 15€. Okay. Et tous les mois, tu vas rajouter 5-10€ pour avoir ton environnement, la suite. Merde. Bah, le prochain environnement. Et dans 6-8 mois, tu as le jeu, donc 60 balles. Enfin, ça vaut 50-60 balles. Et comme la collector, tu as avant tout ça, bah, ils ne donnent pas le jeu complet. Parce que sinon, tu aurais tout sur la galette. Et alors, peut-être que ça les fait chier j'en sais rien. Donc, dans le collector, tu as un code de téléchargement. Ouais, t'as tout compris. Oh. Moi personnellement, ça me dérange pas. Hein. Je suis très content du démat perso. T'as collector de quoi alors? Bah t'as la figurine, il y a une figurine, elle est jolie. Mais t'as la figurine puis des petits goodies à la con, puis il y a les DLC, mais ça on s'en fout. Mais putain, mais merde. Mais dans quel monde vit-on? Mais sérieusement, il y a un truc, enfin. Quand les dernières collectors de jeux, c'est pas mal de steelbook. Enfin, ouais, perso, c'est clair, putain, mais violent. On croirait qu'ils en ont fait une usine et qu'il fallait faut en sortir plein, quoi. Franchement, ils sont avoir des steelbook, en mode steelbook, quoi. C'est pas un steelbook et si parfois on te passe l'OST, tu vois. Parce que franchement, quand il y a l'OST, moi je suis le roi du monde, je suis trop content. C'est violent l'OST. Je crois qu'il y a l'OST dans Zelda Twilight Princess HD, ouais, je crois. Bah, il y a l'amiibo aussi quand même. Ah oui, l'amiibo, gros amiibo. Bah après, il a l'air d'être joli. Après, c'est un amiibo, ouais. Quoi. Après, c'est pas mon Zelda préféré, franchement. Ah, moi j'en ai fait aucun Zelda 3D, hein, donc. Ah ouais, bon, fais Wind Waker, ouais. Au moins tu vas t'éclater. Si j'ai commencé Wind Waker, je l'ai pas fini parce qu'à un moment ça m'a saoulé, mais les Zelda, je sais pas, hein, franchement, je me suis plus amusé sur Soleil. Hein. Là, ouais, non, mais tais-toi donc. Ah, mais s'il vous plaît. Mais faites taire cet homme, c'est pas possible. Mais Soleil, le jeu sans perspective où il y a qu'une seule arme dans tout le game et qui non, est linéaire c'est pas, au possible. C'est pas très long. Mais là, c'est con, mais le Beat World, au bout d'un moment, j'avais juste pas envie de jouer. J'avais juste plus envie de jouer parce que c'était chiant. Ah tu rentrais ouais dans le donjon, ok, t'as des mécaniques, tu fais ton truc. Même Spirit Tracks, j'ai préféré, quoi. Oh bah c'est chaud. Spirit Tracks, il est long, hein, mais bon. Ça se fait super bien, Between Worlds, là, c'est agréable, je trouve, moi. Ouais. Bah après, c'est une impression. Mais voilà. Bref, bon bah tu vois, il est 1h44 et je vais manger. Pendant que j'étais en train de me faire défoncer pour Pocket Rumble. Mais je suis top 23, hein. Pas mal, hein. Tu peux jouer contre Karaté, il est en train de jouer là en ce moment. Ouais, mais je vais le battre. La dernière fois qu'on a joué ensemble... Attends, je suis à quoi au jeu ? À Rocket League, il m'a dit que plus jamais il veut jouer contre moi. Je trouve toujours parce comme ça. C'est vrai, parce que je l'avais... Voilà, t'essaies de le guaquer parce qu'il essaie de te guaquer. Mais moi, tu sais, je le connais depuis tellement longtemps. Là, il est venu ce matin, tu sais, ses potes, ils ont acheté la version Street 5 en avance. Il est venu, tu sais, il était méga ambiancé sur le jeu parce qu'il bourrait des gens. Là, il est venu, il fait, ah, le jeu, il pue la merde. Wouah ! Putain, ça va, j'ai le shiny. Le
le légendaire. J'ai le légendaire shiny. C'est violent. Attends, je viens de le voir. Oh, oh mon dieu. Oh mon dieu. Ce pif. Une chance sur 1300, mon gars. La chaîne perso, c'est là où il y a les shiny, putain. Ah, ah, il est de la même couleur que mon t-shirt, il est trop beau. Ah, c'est trop la hype du truc. Bon, écoute, je vais te laisser aller manger, là, j'ai une capture à faire. Ok. Ok, bon, sympa. Bah, ouais. Bisous, bah, hein, tu me redis ce que tu fais, je te tiens au courant si jamais je peux te choper pour aller t'emmener à Cannes, ok? Ok, allez, ciao. Allez, bisous. Putain, ça déchire. Comment remet les musiques? Comment... musique là. Oh là là, putain, c'est violent. Attends, j'ai encore de la batterie. Oui, il n'y a pas de problème, j'ai de la batterie. Ah, je suis tout excité, telle une petite pucelle qui va découvrir l'amour. C'est parti. Le son du game U. Mon gars, bataille épique. Yosh! Caca tes couilles. Oh oh, Sama. C'est parti. Allez, cage éclair d'entrée. Une strat qui avait bien fonctionné. Il est paralysé, il utilise déflagration. Je rappelle qu'il a 25 PP au haut et que du coup, ce dernier peut très rapidement souffrir du manque de PP. Entre sa déflagration et son zénith, la paralysie, ça m'arrange. Il faut deux fauchages pour l'amener à 1 PV. Fauchage, le voici à 1 PV. Maintenant, ah, deuxième paralysie, j'ai beaucoup de chance. Maintenant, on peut tenter de le capturer. Sachant que je l'ai capturé le dernier coup à la Lux Ball, qui est un truc qui fait x1 en fait en capture. C'était plutôt stylé, mais ça n'a donc aucun sens. On peut essayer de le capturer à la Pokéball, mais attention, on risque de manquer cruellement de Pokéball. Du coup, on va tenter la capture avec deux fois plus de chance, qui est à l'Hyperball d'entrée de jeu pour augmenter pour avoir le plus de chances de capturer. Sachant que le maximum de chances de capturer, c'est x200, il me semble, et que c'est la Master Ball. C'est parti, mon gars. Oh oh, shiny. La 2G, c'est en direct sur la chaîne perso. Balance, mon gars. Ouais. 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 Ghetto. First catchy. Oh, shiny. Ghetto dazé. Comme ça, mon gars. Eh ouais, tu me la fais pas, moi. Tu me la fais pas, mon gars. Putain! Putain, ça c'est bon, hein! Ça c'est bon, quand ça arrive en stream, c'est très bien! Hein. Très, 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 très bien! One shot! Comment on avait dit qu'on l'appelait? Les voisins vont gueuler, s'en faites pas, on n'entend rien du tout. Mister MV 30k, mais non, c'est un mal ou. Ah bah c'est un légendaire! Bouda, 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 bouda! Merci à Pistache pour le sub. Le nom, Andy Raconte, c'était ça. Andy Raconte. C'était le nom. Alors, est-ce que je peux mettre un espace? Sapin. Bah, sympa aussi brillant. Bah oui, Andy Raconte. Tac, 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 tac. Oh là là, avec mes gros doigts, ça ne fonctionne pas. Mais ça passe pile poil, Andy Raconte. Andy Raconte, mon gars. Passe pile poil. Poulet braisé, 24 carats. Oh non. J'avoue, oh no. Oh no, ça serait pas mal. Ah putain, oh no, c'est carrément. Ah putain, non, oh no, c'est carrément plus stylé. Je suis désolé, c'est carrément trop stylé, oh no.
On va l'appeler comme ça. Ono, c'est... En hommage, hein. En hommage à celui qui chapeaute un peu tout dans le game. Ono, Ono-san. C'est pour toi, Ono-san. Sache que je ne t'en veux pas. Voilà. Ono, je vais t'arracher en majuscule. Comme ça, à la foutre. Ono. Ono avec un tiré sans tirer. Moi, je le mets comme ça. Ça vous plaît comme ça? Ah merde, vous ne voyez pas. Putain, ils ne voyaient rien du tout, les pauvres. Descends le chat. Je note comme ça. Avec un tiré, d'accord. Je vais mettre un tiré. Comme ça. Toi qui es chasseur, un mec hybride, que penses-tu du PKX? Ah bah, ça... je suis pas trop pour le PKX, moi, mais... Malheureusement, des fois, on n'aura pas trop le choix. Du coup, raconte... Mouda. Merci à Monster Cap, hein. Merci à tout ça. Oh no! C'est très bien, hein, mon petit Ono. Merci, MiQV. Merci, MiQV. Putain, quand il est apparu comme ça, c'est trop stylé. C'est complètement trop stylé. Allez, ça fait un très beau Ono. Je vais enlever la majuscule là. Ça fera un beau nom. Voilà, Ono. Parfait. C'est parfait. Voilà, en hommage. En hommage à Ono-san. Je sauvegarde, mon gars. Toute ma life, je sauvegarde. Putain. Il est là. Assez bien. Ah, c'est ouf quand même. Ah, c'est complètement ouf. Il met la pression, hein. On voit un feu sacré, déflagration, zénith, punition, hein. 25 pp, hein. C'est 20 pp même, c'est vraiment de la merde, hein. Il est pudique de nature et il s'assoupit souvent. Alors ça, c'est des natures de merde, hein, je le sens. C'est pudique, c'est nature neutre, hein. Ça pue la merde. Il a un objet. Ah oui, il a les cendres sacrées, c'est vrai. Putain, il est stylé, mon Ono. Si seulement lui, il pouvait avoir corps ardent aussi. Maintenant, tu passes à Lugia. Bah, Lugia, faut que je monte à un Pokémon Saphir Alpha. Punaise, mais je l'ai attrapé légit, hein. Pouah. C'est beau. C'est beau, parfois, la vie. Et on va vérifier ses EV. Je me souviens même plus où on fait ça, d'ailleurs. Son centre Pokémon ici, on va voir. On va voir. On va voir. Juste pour terminer là-dessus. C'est pas là-dessus, en plus, je crois. C'est là... Si, c'est lui, hein, il me semble. Laisse-moi vérifier tes Pokémon. Mo, qu'est-ce que t'en penses? Je vois... Mon verdict, il est sans appel. PV, attaque SP, défense P. D'accord. PV, attaque SP, défense P. Ok. Et eh bien voilà, il aura les PV, l'attaque SP et la défense P avec mes gros doigts. Parfait. Eh bien c'est beau, hein. C'est vraiment beau. Grosse musique en plus. De Sonic 2. Je pars 10 minutes et il y a un haut shiny. Et ouais. C'est comme ça, moi. Oh, yok! Tencho! Alors, ils sont où, mes boîtes de shiny? Ils sont là, regardez. Voilà. Voilà, tous ceux que j'ai réussi à attraper en shiny. En reset. Ça, c'est tous mes shiny reset, ça. Ono, Microbit, Co27, reset%, Big Whale et Axel Follet. Voilà, tout ça, c'est moi qui les ai capturés. Hein. Il y a mon idée dresseur, il n'y a aucune embrouille. J'en suis à 5 shiny légendaires, hein, en reset. Hein. Ça, c'est de la distribution, ça. Ça, il n'est pas shiny. Et ceux-là, c'est de la distribution aussi.
Distrib. Mais le Rayquaza, c'est bizarre. Hein. Parce que le Rayquaza était distribué qu'au... Je sais pas s'il était distribué qu'au Japon. Voilà. Putain, c'est bien. C'est vraiment très, 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 très bien. Je suis content. Je suis très, très content. Prochain Lugia, du coup. C'est haut le plus rapide que t'as eu. Peut-être pas. Je crois que le plus rapide, c'est Cresselia. Cresselia, je l'ai eu dans le métro complètement au Pif Token. Je sauvegarde. Impeccable. Et bien voilà. Magnifique. Ça fera un très joli highlight, tout ça. C'est bien quand même, hein.